sans transition, nous allons sur les anciennes gloires. Et oui, sans transition, nous allons sur les anciennes gloires. Et aujourd'hui, on s'intéresse à une ancienne gloire, pas des moindres. Il s'agit de Nestor Mutondi. Qui connaît Nestor Mutondi parmi nos artistes. C'est une grande figure de la musique, Noise. Noati et puis Didi. Je connais son son. Depuis, j'essaie de me rappeler de ses sons, pour pouvoir faire tout cela. Si, si, c'est un grand nom de la musique béninoise dans les anciennes gloires, parmi les anciennes gloires. Je peux pas ne pas le connaître. Ok, d'accord. Alors, ça semble plus tard. Né en 1939 à Abomey, Nestor Mutondi, alias Di Nestor, est issu d'une famille de musiciens. Voilà. Le 15 avril 1958, Nestor Mutondi fait sa première entrée sur scène. Il intègre l'orchestre Dao Melo en 1961 et sort son premier 45 tours en 1962 avec les titres De Dewe Aïwun et Avowewe. Alors Nestor arrive à lier deux activités, musique et gendarme. Mais dans la sortie de son disque, lui a valu des sanctions disciplinaires. Il est donc contraint de rejoindre le groupe national jazz du Dahomey. Orchestre de la gendarmerie qui deviendra à la fin des années 70 les volcans de la capitale. L'homme est décédé suite à une courte maladie le mercredi 30 juillet 2014 à l'âge de 75 ans au centre hospitalier départemental de Goro à Abomey. Dans les anciennes gloires de ce jour, on s'intéresse à son morceau « Avouban ». Vous connaissez Avouban? Oui. Si quelqu'un ne connaît pas ça, on va faire ça à la personne. Ah oui. On s'intéresse à ce morceau, à vous, bon, et puis on va écouter ce morceau parce qu'on n'a pas pu avoir le clip, mais on va écouter le morceau et danser, pourquoi pas. On y va. Et voilà, très belle sonorité, et à vous, bon. Alors, Noati, voilà, comment tu oublies ça. Noati, alors, quand toi tu écoutes ce morceau, ça t'explique quoi? Une très belle chanson, une très belle sonorité, une grosse source de motivation. Ce sont les genres de chansons que moi j'aime écouter les matins ou quand je suis dans une certaine situation. Elles me donnent la force, elles me poussent le moral pour que je puisse avoir encore plus de courage à affronter les épreuves à venir. C'est un peu ça, chez moi. Alors, Edidi, et toi? Oui, bon, moi je pense que sur le son, ça prouve que les ancêtres de la musique écrivent vraiment. Les ancêtres, hein? Ouais. Ils arrivent à écrire et ça pèse le temps. Ça dure jusqu'à ce que notre jeune génération, on arrive à fredonner et tout ça. C'est fort. Et on aime aussi pester le temps comme ça. Ok, et des amoureux de ce morceau-là, de Nestor Mutondi, se sont prononcés sur le morceau, voilà, et ça donne ceci. Ouais, je le connais à travers cette chanson. Bon, il y a Vong Mamano, je ne maîtrise pas trop le titre. Mais j'apprécie beaucoup cette chanson, j'écoute beaucoup, parce que ça donne beaucoup de conseils. Pas trop, hein, mais j'entends parler de lui, à la radio, comme à la télé aussi. Oui, je connais bien l'artiste Nestor Mutondi, et j'entends souvent parler de lui. D'après mon interprétation, je crois, en fait, c'est les situations que nous vivons dans la vie, où il y a des gens qui ne pensent que du coup, en tout cas ils ne sont que négatifs envers d'autres. Ils n'aiment pas voir leur prochain évoluer dans la vie. Donc on est prêt à manigancer des coups, des tas de choses juste pour faire tomber la personne. Donc je crois que c'est un peu ce que je comprends à travers la chanson. Mais nous d'autres, c'est une musique qui nous exhorte à rester en union, bon, et à être ensemble pour quand même bouger et travailler ensemble et se battre ensemble.
pour atteindre ses objectifs peut-être. C'est peut-être ce que moi je peux dire. C'est peut-être une musique de combat. Bon, pour moi, hein, c'est ça. C'est un morceau qui a vraiment impressionné. Ça me donne souvent beaucoup d'émotions. Hein. C'est un morceau d'ailleurs que j'aime souvent entendre. Juste là, je ne sais pas encore ce qui est fait à leur endroit, mais ils méritent quand même d'être immortalisés, déjà à travers des histoires venant d'eux, comment le groupe a été créé, pour que d'autres générations puissent s'inspirer aussi de ça. Je pense que c'est à travers ça que leurs œuvres seront gravées, en tout cas gravées dans l'histoire du Bénin, et d'autres jeunes pourront aussi s'inspirer d'eux. De ce qu'ils ont laissé comme héritage. C'est le gouvernement qui va essayer de faire asseoir un comité de réflexion avec les artistes, les anciens artistes, par exemple Danialou, Sagboran Danialou, par exemple. C'est des gens qui ont marqué l'histoire musicale au Bénin. Donc avec ceux-là, on peut quand même faire des assises et réfléchir et voir comment élargir le monde musical au Bénin et pour pouvoir permettre aux jeunes. Parce qu'on voit que bon, c'est un jeune, essaye, mais c'est pas encore ça. Voilà ces citoyens qui se sont prononcés sur ce morceau-là. Et c'est, il faut dire que c'est un morceau repris par bon nombre d'orchestres. Au Bénin ici, quand vous allez à les agos, comme on dit. Sur les événements, voilà. Et c'est beaucoup repris. Les gens aiment voir les gens esquisser des pas de danse, bien sûr. Ça, c'est pas fou, je témoigne. Non, voilà, c'est tout pour les anciennes gloires de jour. Merci beaucoup, Achille Kouenou, pour déjà pour ce choix. Mm-hmm. On a beaucoup aimé le morceau, on a tous dansé ici. C'est vrai que c'est les anciennes gloires, mais on continue de savourer ces œuvres-là. Merci beaucoup, Achille.